Derrière moi se trouvent 69 sets de Lego Mario. Ils y sont tous, même les anciens produits. Il y a un total de 29 471 pièces uniques et j'ai 10 jours pour tout assembler. On va transformer ce salon rempli de boîtes en un salon plein de Lego construits pour en faire un énorme royaume champignon. Et on commence avec celui-ci, le Starter Pack Aventure de Mario. Donc, on commence par le Mario Starter Course. Grosso modo, c'est le truc de base. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, je mets le timer derrière moi. Le compte à rebours est lancé. Une fois que ce compte à rebours arrivera à zéro, j'explose sur place si je n'ai pas réussi de monter tous les Lego. Bon, ça, c'est ce que je croyais. Mais le défi m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est pourquoi j'ai choisi de finalement me donner 10 jours. Et oui, du coup, j'ai explosé sur place. D'ailleurs, c'est bel et bien 10 jours d'affilée dans la vraie vie. Ça va être à moi de gérer mon temps de Lego et de repos pour mener ce défi à bien, donc chaque seconde compte. C'est mon gros concept de Noël, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Il y aura de temps en temps des guests qui viendront m'aider d'ailleurs, mais ça restera globalement moi qui monte le très très gros de ce qu'il y a à faire. Maintenant, si tout est bon pour vous, moi c'est pas encore bon, il faudrait juste un petit abonnement à la chaîne avant que ça aille mieux. Ah, j'ai mal! C'est bon, t'es abonné? Ok, merci, vous êtes des bons, ça va mieux. Mec, je vais ouvrir ça comme un con, mais j'ai pas envie de tout péter. Ok, en vrai, c'est juste ici. Ok, ça s'ouvre, tranquille. Il y a pas mal de trucs, hein. Mec, attends, rien que ça, j'ai la pression, genre. Il y a trop de trucs. Ah, mais c'est le petit Mario. Mec, il fait trop peur. Wow, what does he cook, man? Il fait trop peur. Bon, bref. Ok, donc là, il y a l'air d'avoir un 1, donc juste, c'est ce qu'on va prendre. Et puis, on va commencer à ouvrir le manuel, hein, tout bêtement. Quick Start Guide. Alors, même les enfants y arrivent, donc normalement, ça devrait le faire. Oh putain, faut un tournevis. FF. Étape 1, c'est déjà FF. En vrai, j'en ai. J'ai même des piles, en vrai. Ok, alors, comment ça se monte? Déjà, on a le chapeau de Mario. Le chapeau de Mario, ça on connaît. Ok. Ensuite, je mets les deux trucs jaunes. Ah, et ensuite, du coup, il a les oreilles. Voilà, c'est pas mal. Ah non, il manque ses yeux, là. Ils sont où, ses yeux? Ah, c'est un écran. Attends, il y a une appli et tout. Mec, j'étais pas au courant. Je me suis rien spoilé, en fait. Mais mec, je suis déjà perdu, là. Y a pas de tuto. La notice est sur l'appli. Ah, la notice est sur l'appli. Merde. Lego Super Mario. Pour m'aider à construire tous ces Lego, il y a une application qu'on va utiliser tout du long qui s'appelle Lego Mario. On rajoute le set qu'on veut construire et on nous donne le guide étape par étape avec un modèle 3D qu'on peut tourner sous n'importe quel angle à n'importe quelle étape si on a le moindre doute. Au début, j'étais un peu mauvaise langue parce qu'il n'y a carrément pas de notice papier, mais en fait, une fois bien installé, c'est bien plus pratique. Et ces petites animations de paquets qui s'ouvrent, ah, elles me font des choses inexplicables à mon corps. Ok, donc ça, faut le mettre là, ça ici, ok. Et le bouton start, c'est quoi? Et mec, je l'ai perdu, c'est pas possible. Vous le voyez là? Le mec qui demande de l'aide. Devant toi, il est à l'envers. Lui? Ah putain, bien vu! Ok, le tuyau c'est done. Mec, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de Lego. Ok, la tige. Ok, bien dans le trou là. Oh, oh là là, mon petit drapeau. Mec, c'est tellement satisfaisant quand tu sais où sont les pièces, genre. Vaincre Goomba, allez merde. Ah oui, ça c'est ces gros panards là. Ok, maintenant la gueule du Goomba de con là. Pas très cool, je sais pas si on peut voir. Ok, et ensuite, sur le dessus, on met le truc du Goomba. Boum! W! Alors, on met les piles, du coup. Voilà, ok, le bon gros tournevis, donc on l'enfonce. On lui remet sa salopette. Wouhou! Mec, il fait trop peur! Il veut voler ton âme. Ah, et ça, on le met là. D'accord. Oh putain, et du coup, regardez, ça tourne comme ça. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. J'avoue, ça commence à être pas mal, là. Regardez, on met ses yeux. Ah, malveillant. Nice, le petit Bowser Junior. Théma. Résultat final. QR code juste ici, bim bam boum, sympa. Donc là, ensuite, on met Bowser Junior. Ici, on met le Goomba. Voilà. Vous me le validez ou pas? La figurine est d'ailleurs totalement interactive. Elle reconnaît des QR codes qui vont faire des actions, des couleurs de briques et même un capteur de mouvement. Et genre, il y a le... quand il saute. J'aurais adoré avoir ça quand j'étais petit. Cette vidéo, c'est d'ailleurs un peu une revanche sur mon enfance. On peut le dire. Là, c'est chaud. Faire Bellec. Ensuite, lui, je le fume. Boum. Il va par terre. Ok. Et là, ensuite, je termine. Boum. Je termine le niveau. Ok, voilà, c'est validé du coup. Et ensuite, ça, je vais le transporter dans une autre pièce. Ensuite, le prochain. Moi, je serais chaud d'attaquer genre l'arc Luigi's Mansion. Ça vous va ou pas? On va attaquer les Lego Luigi et j'ai hâte que vous voyez tout ce qu'il y aura à travers la vidéo, comme des Lego Donkey Kong, le château de Peach et même un Bowser géant articulé entièrement. Et comme tous ces Lego, ça coûte de l'argent, je vais vous parler de Honkai Impact 3rd, sans qui cette vidéo n'aurait jamais été possible.
C'est quoi ce bruit là, Mario? Honkai Impact Sword est un jeu d'action 3D avec un style animé. Regardez comme c'est mignon. Le jeu présente une exploration en monde ouvert avec des tonnes de façons de jouer, allant des mini-jeux aux combats de boss, cinématiques, énigmes, perso de fou, jusqu'à même monter des Lego Mario pendant plus de 10 jours. Ok, bon, il y a juste pas le dernier point. En parlant de personnages, il y en a un gratuit en ce moment, c'est Herrscher de la Sentience. Il y a aussi la nouvelle combinaison de bataille de Griseo où on trouve carrément des sabres laser Star Wars. Et tout ça, c'est concocté dans une mise à jour qui améliore l'interface, mais aussi le stockage. Vous aurez 6 gigaoctets de moins, donc très pratique si jamais vous voulez l'installer sur téléphone sans que ça prenne trop de place. Très bientôt, le jeu connaîtra un événement de vacances pour Noël et le jour de l'an, donc beaucoup d'objets à gratter pour mes tiras. Bah, je vous connais. Le jeu est multiplateforme et disponible sur iOS, Android, PC, Steam, Epic, bref, quasiment partout, donc n'attendez surtout pas. Et hop là, popololo, vous avez juste ici mon lien en première ligne de description pour télécharger le jeu et soutenir la chaîne. Et je vais pas vous laisser partir comme ça les mains vides, vous commencez à me connaître. Il y a le petit code YATASENTI, vous le mettez. Une fois que vous avez téléchargé le jeu, il y aura v'là les récompenses, voilà, régalez-vous. Merci infiniment à Honkai Impact Sword de sponsoriser la vidéo, et nous, on revient à nos moutons, nos Lego Mario, parce que moi j'ai pas de moutons. Il y a un total de 5 sets de Lego qui portent sur Luigi's Mansion, et quoi de mieux pour introduire ce chapitre que de commencer tout simplement par le hall d'entrée Luigi's Mansion. Voici toutes les étapes qui me sont indiquées sur l'application. Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a des trucs. Apparemment, il y a le petit chien, là. Comment ils cookent les Legos avec des imprimantes 3D? Comment ça se construit, les Legos, frère? En vrai, ça va vraiment être une sacrée aventure, là. Parce que là, pour l'instant, c'est chill, parce que ça fait que 2 heures. Mais genre, quand on va y être depuis une semaine, je pense que je vais devenir fou, vraiment, à certains moments, genre. Très sincèrement. Putain, c'est trop chiant, ces trucs, là. Ça avance, là, je suis content, j'ai mon rythme de croisière. It's cooking. Et là, on est en train de cook ça, là. Très mignon. Mais attends, mais what? Je comprends rien. En fait, c'est juste parce que, genre, regardez, mon truc, il s'emboîte pas bien, quoi. Genre, c'est insatisfaisant de baiser, genre. Ah, je sais, je l'ai peut-être mis à l'envers, ça. Ah oui, ça, c'est pas impossible. Oh, putain, je suis golemon. Ok, faut vraiment être attentif, hein. Ta gueule, faut en faire une deuxième. Genre, en mode, je m'en rappelle par cœur, genre. Voilà, là on a un petit portillon là. C'est mignon. Oui, let's go. Et alors là, je sens que c'est archi solide en fait. Genre là vraiment je peux le bouger dans tous les sens, je sens que ça va pas bouger en fait. Oh putain, il y a une araignée. Spider-Man. C'est bien l'araignée de Minecraft ou pas les gars? Jure, la petite porte mec. Mec, la petite porte de fou là. It's cooking. Oh regardez. Regardez, en fait ça se rentre avec les petits trucs qui coulissent. Ah c'est trop bien. C'est trop créatif. Ah, faut rentrer les boules. Ok, j'ai rentré les boules. Nice. Et il restera plus que le bout à cook. Alors, zoom. Paf. Ouh. Ok. Le 5. On arrive sur la fin de celui-ci. Mignonne la petite fenêtre. Il nous en faut une deuxième si j'ai bien compris. Exactement la même. Oh, la tête goofy, frère. C'est le yinche fantôme là. Il vient te sauver dans Luigi's Mansion 3 et tout. Oh, what the fuck? Vous avez vu? Ah putain, le bout, tu le mets à la fenêtre, en fait, carrément. Genre, il fait un screamer à la fenêtre, genre. Juste ici, il y a le bout, mais on le voit pas trop. Genre, vraiment, c'est pas mal, hein. Ok, deuxième down. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Mario qui a sa petite figurine interactive. Il y a aussi l'affreux Luigi. Même chose, il peut se connecter en Bluetooth. Et alors, apparemment, en gros, les figurines peuvent jouer entre elles en Bluetooth. Salopette. Mettez Luigi dans sa putain de salopette. Les deux frères réunis, regardez. Oh là là, je suis Mario. Et oui. J'ai 5 ans et demi. Ça me donne trop envie de jouer à des jeux Lego, genre Batman Lego, Star Wars Lego. Boum. Voilà. C'est tellement satisfaisant, les Lego, sérieux, mec. Je pourrais faire ça pendant 7 jours non-stop. C'est le mec, il oublie qu'il est littéralement dans ce concept-là. Bah voilà, c'est sympa, ça. Mais c'est quoi ce mécanisme de fou, là? Je suis choqué, là. C'est un oscillateur harmonique. Regardez, il est tout joyeux. Regardez. Il fait la wave. Boum. Hop. Et voilà. En vrai, c'est vraiment très bien fichu, hein. Je suis assez choqué, hein. C'est trop fort, hein. Bon, en vrai, je vais essayer de bouger ça là-bas. Ah ouais, mais... Déconner, là. Ah ouais, mais j'ai trop la flemme de tout remonter là. Enfin, j'ai trop déconné là. Bon, je sais plus, tant pis frère, je vais tout bouger et puis bon. En vrai, je pense que tous les trucs que j'ai pété, genre je les remonterai une deuxième fois, mais genre sur le temps libre. Genre en mode, genre je les ai montés une fois, c'est bon, tu vois. Donc là, le set qu'on va monter, c'est Labo et Poltergust. Ce truc-là, elle est relativement small. Alors, donc ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, et ça, c'est le troisième. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. C'est ok, c'est ok. Regardez, c'est une fusée.
Le mec a 2 ans. Ah putain, on est en train de couper l'aspirateur en fait là. Et regardez, elle a un aspirateur, la femme de ménage. C'est ma vidéo préférée de YouTube. Jure. Bah regardez là, tac. Et voilà. Pas mal. Il tient son petit aspirateur là. En vrai, c'est vraiment bien. Franchement, c'est... Franchement, je suis choqué. Hein. Genre là, on fait le docteur catastrophe. Hop, on met les bras. Oh ya, yeah. Oh mama. Ah mais non taqué. Oh la mèche. Oh putain, si un jour j'ai cette calvasse, mon gars. Oh ya, yeah. Voilà, pas mal. Oh merde. Ah non, là, c'est vraiment la loose, là. Ah si, c'est là. Ok, nice. Ok, j'ai retrouvé. Ça, ils les mettent pas en double, donc faut vraiment faire attention. En fait, ce qui est bien avec l'iPad, c'est que vraiment, tu peux voir le modèle 3D comme tu veux, quoi. Et voilà, boum. Pas mal. Oui, ça, c'est la machine qui fait... Jure, c'est une boîte à outils, genre. Maxi-outils. L'outil mystère. En tourniquet. Officiellement terminé, du coup. Tac, là, ça start. Bim, bam, boum. Luigi. Avec sa lampe torche. Le petit fantôme. Là, c'est le truc qui fait... Quand tu mets les fantômes et qui analyse. Et puis voilà quoi. On enchaîne sur le jardin hanté du roi Boo. Il n'y a pas mention de Luigi's Mansion, mais je pense qu'on peut l'inclure. Regardez-moi ce petit roi là avec sa petite couronne. Il y a beaucoup de trucs, frère. Mais attends, mais il va être big de fou là, le roi Boo. Là, je suis en train de concevoir là. Il est énorme. La France, je suis français. C'est trop satisfaisant, les Lego. Oh, il va où, lui? Non, 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 non. Tu vas faire des études comme tout le monde, toi. T'as cru quoi? Roi Boo, mesdames et messieurs. Voilà. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on cook? C'est des genres de Goomba, là. C'est qui le guest? Ah, vous verrez, c'est une surprise. Ah oui, c'est exactement ça. C'est des Goomba, en fait. Jure. Suite à ça, mon frère Hunter de la chaîne LohanLV est venu chez moi pour m'aider à terminer cet arc Luigi qui commençait à s'éterniser, hein, mine de rien. On a été assez efficace, mais vous verrez, on a bien rigolé. Genre, regardez, c'est ça, là. C'est ça que j'aimerais lui faire monter, là. Allez, let's go. Est-ce que là, ça donnerait une vue, à peu près? En vrai? En vrai, c'est pas exceptionnel. Genre, là, ça cook, mec. Oh, c'est Jospé. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Mec, je vais tellement l'annihiler ce Lego. Je vais leur montrer tout le quartier Madiloan, celui de la misère. C'est quoi qu'ils disent en PNL? Il dit les deux frères, on vous aura. Oui, jamais. Jamais, personne. Jamais aucun. Aucun Bakken a dit ça. Hein. Aucun Bakken a dit ça. Il s'invente du lore. C'est vraiment. PNL, il ment comme il respire. Comment ça? Je pense que c'est qui le rappeur qui ment le plus? Moi, je pense que c'est Ziak. Oui, alors ça, c'est. Ziak, non, je pense vraiment, il s'invente une vie. Ok, on a les deux tours. Les deux tours? Manque plus que. Pourquoi est-ce que je. Ah, mais c'est dans l'autre sachet! Mais dites-le qu'il faut ouvrir l'autre sachet. Oui, oui, en gros, les mini-sachets qui sont dans les grands sachets, faut les ouvrir, par défaut. Mais pourquoi ils font ça? Mec, ça pollue. Putain, je déteste la pollution. Ça m'énerve quand je vois la pollution, quoi. Toujours, ça m'énerve. Voilà. T'es chaud. Voilà. Ok. Alors, je sais pas ce que c'est avoir contre, hein, mais c'est là. Voilà, j'ai ma première partie, là. Par contre, les petits trucs, là, faut les bouger. Je suis un petit clown, bonjour, c'est la Clémentine. Ok, encore... Wesh. Viens rien, c'est un Transformers, mec. Et... Oh merde, c'est le pied que vous voyez. Hop. Oh, jure, faut juste que je... Regardez, là, j'ai juste plus qu'à tout assembler, c'est terminé pour moi. Ah, c'est des chauves-souris. Putain, je comprends que maintenant. D'accord. Pas mal. Et voilà, c'est comme ça. C'est sympa. Bon, il faut juste que j'arrive à bouger ça sans tout casser, quoi. Jure. Montre-le à la cam, ici, là. Je la montre, là. Ah, en gros, c'est quand Todd, il est emprisonné. En gros, Roi Boo, il emprisonne les persos dans des posters. Ça vous dit ça ou pas? Ou alors, je sais pas quel arc commencer, en fait. Ok, terminé. Ouh. Jure. T'es chaud. Ouh. Attends, montre-le à la cam, il voit pas. Ouh. C'est drôle, en vrai. Mais merci beaucoup, en tout cas, mec, tu m'as tellement aidé. Tu m'as vraiment sauvé quelques heures, là. Mec, c'est un immense plaisir. J'espère que tu t'es régalé. Face reveal, réel. Magnifique la tête. Mais les gars, vous vous découvrez, là? Pa-pa-pa! Get les baskets! C'est des Nike! Voilà! L'île du Big Bad Island. On a terminé le jour 1 sur les Lego Mario et on attaque déjà le deuxième jour. Ça ira un peu plus vite à partir de là. Vous savez, comme dans chaque animé, il y a un épisode à la plage? Eh bien, c'est juste maintenant. Il y a 3 sets sur le thème de la plage. Régalez-vous. Non, vous ne me verrez pas en maillot de bain, par contre, je suis désolé. OMG, on doit faire des chips. Oh la dinguerie. C'est comme ça? Bah, il est déjà terminé, là, je crois, non? Ouais, faut en faire un deuxième. Ah. Tac. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Oh non, je fais n'importe quoi. Boum, tac, tac, boum. Ah putain, merde, comment ça rentre? Mec, attends, je force alors que c'est un plus. Gaulle, mon frère. Mec, j'ai l'impression que c'est un vaisseau Star Wars, là.
J'ai cru qu'un vaisseau Star Wars, je sais même pas ce que c'est, genre. On fait la plage de Maxi Oursin. Là, on est sur le... On est sur l'arc plage. Mec, on a cook un petit pont, là. C'est mignon, non? Juste ici, on a les chip-chip. Là, on a ça. Pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne, la vidéo, là? Ah, d'accord. Faut mettre les chip-chip dessus. Ok. Ok, nickel. C'est pas mal. Ah, putain, d'accord. Quand t'appuies là, regardez. Oh putain, c'est trop fort! C'est trop stylé! Alors, là, hop là! Dans les fesses. Oh waouh! Ok. En fait, regardez, ça se met là-dessus, genre. Waouh! D'ailleurs, attendez, je sais pas si vous avez vu. Attendez, faut que je vous montre. Matisse, il est trop fort. Il m'a fait un fan art en Lego. Genre, regardez, en gros, c'est moi en Lego. 18 plus, Jules Gann. Genre là, bam. Genre là, tu vois, ça, c'est le sweat que je porte parfois. Littéralement, moi. Là, regarde, c'est ma boîte. Là, il y a moi, juste ici. Jules Gann. Trop bien, en vrai. Jure des haltères. Mec, je pousse à la salle, là. Tac, tac, tac. Voilà, là, c'est mieux, là. Sympa. Ok, ensuite, au middle, je cook mon petit palmier. Ouais, juste, je le pose comme ça. Banger. Et là, c'est fini, essentiellement. Le prochain que j'ai envie de faire, c'est quasiment la même. Celui-ci, Doris Beachfront. En gros, les deux sets, là, comme ça, se vendaient ensemble. Donc, du coup, je me dis, ça va être sympa de faire les deux. Voilà, pas mal. Mignon, je trouve. Très sympa. Oh, what the fuck? Attends, what? Attends, mais c'est un truc de ouf. Mais j'avais pas compris. T'es mal. Là, regardez la petite carapace. Bam, bam, bam. Zbré. Merde. Zbré. Ok, pas assez fort. Zbré. Voilà. Putain, j'avais pas compris que c'était ça, genre. C'est trop stylé. Ok, il y a des vraies bonnes idées, en vrai. Là, il y a plus qu'à tout assembler, là. En vrai, j'assemblerai ça plus tard, je pense, encore une fois. Une fois tout ça terminé, je vous propose de passer à plein de constructions autour du thème de Yoshi. Il y en a 4, et en vrai, elles m'ont vraiment régalé, parce que c'était simple, et les 7 les plus mignons du défi, je pense. Ils habitent ensemble. Et pourquoi pas? Ils ont pas le droit de baiser. Là, on est en train de cook la maison de Mario, je crois. Ah, et là, faut cook une petite cheminée. Jure, trop mignon. Nice. T'as de la gueule de fou, hein. Méga mignon. Jure, la petite boîte aux lettres. C'est aussi simple que ça? 3 pièces. Petite boîte aux lettres. What? C'est quoi, ça? Le hamac. Ah, bien vu. Bien vu, petit arbre. Très mignon, en vrai. Ok, c'est bon. Oh là là. Mec. T'es mignon de fou, en vrai. Et là, regarde, t'es là, tu mets le petit Mario, là. En train de nehes dans le hamac. Incroyable. Jure, bah, il manque plus qu'à tout assembler, là, j'ai l'impression. Là, juste ici, la petite boîte aux lettres. Et juste ici, un petit géranium. Boîte aux lettres. Juste ici, on met la fence. Et voilà, on a terminé. Petite maison de Mario, petit hamac, pancarte, juste ici. On gratte un petit Lego assez rapide de 46 pièces pour augmenter le compteur, parce que, mine de rien, on est déjà à 15 heures au timer. Grosso modo, si vous voulez, c'est l'arbre fruitier de Yoshi. Ah, nickel. Et voilà, magnifique. Là, on n'a plus qu'à monter ensemble et c'est fini. Waouh, il était long, ce Lego. Je propose ça. La maison des cadeaux de Yoshi. Oh là là, elle est stylée, la pancarte, là. Yoshi. Oh, la boîte aux lettres, c'est Among Us. Oh, mais non, j'avais pas vu. C'est vrai que dit comme ça. Putain, regardez l'engrenage de fou. Regardez là. Trop stylé. Regardez, en vrai, c'est stylé, hein. Oh putain, il s'est pété la gueule. 12 Lego, du coup, finalement. Oh putain, 15. 15, c'était ambitieux. 15, c'était ambitieux, mais après, on en a fait vraiment des bigs, hein. Le dernier set de Lego nécessaire pour pouvoir terminer l'arc Yoshi, parce que là, actuellement, on est dans l'arc Yoshi. Donc, alors, let's go, du coup. Alors. Jure, c'est un petit banc, genre, c'est une petite aire de. Ah bah oui, là c'est pique-nique chez Mario, du coup, hein, c'est ça que ça s'appelle. Oh là là, c'est posé. Les trucs de Yoshi, pour l'instant, c'est les plus incroyables, hein. Regardez le petit panier, là. Filet, petit cookie, fromage. Très sympa. Ouh, je navigue sur les flots, je navigue. 4e sachet, le dernier, et après on pourra commencer à ouvrir les packs surprises. Le lit pile dans l'entrepas, dingue par contre. Ah mais non, regarde, tu peux bouger comme ça, là, regarde. Mais attends, mais il joue au tennis? Mario joue au tennis? Ah bah oui, Mario tennis. Mario tennis, j'ai la ref, ok. Attends, mais par contre, qu'est-ce qui... C'est quoi?
C'est quoi cette photo? Pourquoi elle est au-dessus du lit de Mario? Genre, ils baisent ensemble, là? Pique-nique avec Mario, cadeau surprise à Mario, Non, vraiment. Ah non, Mario, il y a un baiser. Et juste là, il y a l'arbre. Ah, il y a le petit potager, ici, en fait. Mais c'est trop mignon, j'avais pas vu. Il y a la petite carotte, le petit arrosoir. Et là, t'as la barque. Juste comme ça. Ok, c'est terminé. On a terminé avec la séquence Yoshi. Maintenant, place à la séquence gratification instantanée. Ils ont fait un paquet surprise où on peut obtenir aléatoirement l'un des personnages inscrits sur le paquet. Et ça va aller vite pour augmenter le compteur parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq et il y en a six. Voilà, donc il y en a six. Oh là là, le bout, regardez le bout là. Le bout là, il est tout timide. Je sais pas s'il kiffe ou s'il est timide, mais peut-être un peu des deux. Vous pariez sur quoi? Vous pariez sur quoi? Moi, je kifferais avoir soit le bobon, soit le Eris, il est stylé en vrai. Ok, let's go. 3, 2, 1. Le bloops, en vrai, le bloops, il ferait kiffer, j'avoue. Attention. Qu'est-ce que c'est? Mec, je sais pas lequel c'est. Ah, c'est le bobon! Oh, let's go! Ah, je suis content en vrai d'avoir eu la petite bobon. Je suis refait, frère. Regardez, elle est toute mignonne. Non, elle est incroyable. En vrai, je suis très content. C'était l'une des meilleures que je pouvais avoir, je pense. Regardez, elle est incroyable. Paf, avec le petit feu, là. Et là, derrière, le petit truc que tu tournes pour l'activer. Très bien. Paf, paf. Incroyable, en vrai. Exceptionnel. Je kiffe. Non, franchement, Bobomb W. Voilà, terminé. C'était super court, hein. Non, franchement, c'est trop bien fait, hein. Regardez, en fait, c'est ça, là. C'est le chip qui pique. Ah, d'accord. Je connaissais même pas. Qui le connaît, frère? Qui le connaît? Boum. Terminado. Ok, ensuite, faut faire le set sur lequel il se trouve. Et voilà, c'est terminado. Donc ça, c'était la série 2. Série 3. Voilà, il y a tout ça. Oh non, c'est la Frebile Ball. Oh non, c'est Ted Torpille, mec. Qui le connaît? Qui le connaît, Ted Torpille? Putain. Donc du coup, paracoccinelle, abeille, bébé pingouin, je pense que je veux vraiment ça. Et Mecha Koopa, il est stylé lui aussi. Il est un peu une Aegao face. C'est un peu une Aegao face. Et c'est vrai que le pingouin me rendrait heureux. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, série 4. Oh, c'est la paracoccinelle, ça va, c'est mignon. En vrai, Mimi, la petite paracoccinelle, ça va. Ok, donc ça, c'est la série 5 des packs de personnages. Donc encore une fois, du coup, c'est la première fois que c'est en dur. Y a pas mal de choses. On peut avoir soit le masque bleu, soit le bébé Yoshi. Ah putain, c'est le fat Yoshi là. Ok. En vrai, ils sont tous exceptionnels. Obeso Yoshi. Ok, on ouvre. Attendez, dessus là, regardez, il y a le Dandinar. Non, ça veut pas dire que c'est Dandinar. J'ai Dandinar, je suis très triste. Non. FF, ils étaient tous bien. Mec, Carotin, j'aurais été heureux. Oh non, putain, regarde. Avec ses dents qui dépassent, on est dans l'âge de glace, frère. Il veut un gland. Il rêve de bouffer un gland. En fait, Dandinar, ça me rappelle le nom du cochon dans Gravity Falls, Dandinou. Je sais pas si vous avez la ref. Qui a la ref de Dandinou? Dandinou! C'est genre le cochon de compagnie de Mabel. Voilà, terminado. Il mérite même pas que je le monte à la cam, frère. C'est tellement un nerd, en fait. Genre, la pousse de bambou est plus stylée que lui, genre. Place à la série 6. Ouh! En vrai, ils sont tous sexy. T'imagines, j'arrive à avoir le pire. Si j'ai lui, je suis tellement malheureux. Pitié. Birdo, je serais tellement heureux. C'est le boss frère Sumo. C'est pas possible, frère. Si j'ai lui, je suis tellement malheureux. Il a déjà son set en entier. Mec, on va déjà le faire après. Oh non. Oh non. Oh putain, mais il est tellement moche. Mais qui s'en fout, frère? Il a juste un pic sur la tête. Il va aller se faire des implants de pic en Turquie, frère. J'en peux plus. Mais c'est Homer Simpson. C'est Homer Simpson. C'est littéralement Homerde. Marge, est-ce que tu m'as préparé mon donut? Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Marge, est-ce que tu m'as préparé ma torche enflammée au feu? Il a pas l'air d'être méga. C'est 231 pièces. Normalement, ça devrait aller relativement vite. Alors, la bouche de Golemon. Le mec a trop la haine contre ce perso. Il tire la langue, genre. Regardez-moi cette tête de Golemon, là. Non, vraiment. En vrai, c'est pas mal en hauteur. Je crois que c'est celui, le vertical, qu'on a le plus grand qu'on ait monté. En vertical, il y a moyen qu'on ait pas monté plus haut, genre. Voilà. Tadam. Voilà, voilà. Donc là, il y a le petit corbeau. Bam. Il est pas anti-pose. Ça va. Il est plus en mode Minecraft. C'est pas stable, mais GG, c'est normal. Ça fait partie du truc. Regarde, je pense dans les vidéos, ils vont montrer que c'est pas stable. Regarde, tu vois. Justement. Genre, tu vois, t'appuies dessus et là, comme ça, tu fais bouger la tour. Tu vois. Ok, nickel. Terminado. La plante piranha. Non, mais voilà!
Écoutez, je vous propose de commencer. Je vous propose qu'on commence ça. On fait enfin la plante Piranha. Elle est sortie très récemment et c'est d'ailleurs le premier set de Lego Mario plus 18 qu'on fait. Rien de sexuel, vous inquiétez pas. Enfin, on n'est jamais à l'abri non plus. C'est juste qu'il y a des mécanismes assez complexes et des petites pièces qui peuvent s'avaler. Donc, déconseillé aux enfants. Il y en aura encore 3 autres de ce type réservés aux adultes. Mais en attendant, je vais me régaler hein, parce qu'à la base, je voulais devenir ingénieur. Donc, les mécanismes qui donnent mal au crâne, c'est mon dada. Elle fait 23 cm de hauteur. Ok, belle bite. Oh, j'ai trop hâte de la faire, putain. Le 1. Et voilà, et après, il y a la notice. Ah putain, et donc du coup, là, il y a réellement une notice, du coup, là. Ok, alors, bon, là, c'est mon premier Lego adulte. Je n'ai jamais fait de Lego adulte avant. C'est bon, j'ai plus de 18 ans, j'ai le droit. Ok, mais du coup, j'ai trop hâte parce que vraiment, la plante Piranha est sortie toute récemment, quoi. Ça me hype de fou. Ok, les petits ponts. Bah on a bientôt terminé le paquet 1 là, c'est nickel. Waouh, ok. Bah ouais là on a quasi terminé le tuyau là. Et voilà. Pas mal. Bon il est pas encore tout terminé, il faut encore le... Il soit beau tu vois mais... Sachet number 2. Chef c'est tout vert là. Regardez c'est tout vert, tout lisse. Je pense qu'en gros tout ça, ça va être pour recouvrir tout le tuyau qui pour l'instant est un peu moche. C'est trop stylé genre quand on regarde par dessus. Genre on voit toutes les rainures, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre on voit toutes les briques, incroyable. Belle beuteux en vrai hein. Très très belle beuteux. Et là on l'habille. Et voilà, exactement comme ça. Wow, belle bite. Ça avance bien en vrai, hein. Voilà, et là on a fini les feuilles. Alors, putain mec, c'est compliqué en vrai, hein. Faut vraiment rester concentré de fou, hein. What? Regardez, il me montre la longueur du zizi rouge. Vous avez vu, genre il me montre la longueur du zizi. En mode 6 cm, c'est bon. Non mais mec, c'est quoi ce mécanisme de con, là? Oh! On est en science de l'ingénieur ou en train de monter des Lego, frère? Nice. Sympa. Oh oui! Oh putain! Crunch crunch! Crunch crunch, je vais vous manger! Ok, maintenant, faut faire la babine supérieure. Putain, et du coup, la bouche est articulée, quoi. Genre, du coup, on peut vraiment la bouger comme ça, quoi. Incroyable. Attention! Ok! Et voilà! Elle est belle de fou, frère! Trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien! C'est incroyable! Incroyable. Cette jolie fleur piranha est en fait, on peut entamer la jungle comme il se doit. Il y a 4 sets sur ce thème, et j'entends par là tous les sets de Lego avec du poison violet sur le sol. 6. Putain, il y a beaucoup de paquets, hein. Chef. Bientôt, il va vivre un cauchemar en montant Bowser et la NES. Mais non, ça va bien se passer. Mais du coup, voilà, en tout cas, voilà, je trouve l'anecdote stylée. Je trouve l'anecdote stylée parce que, du coup, il y a moyen que je paye, Oh, putain, apparemment, il y a une animation quand on est dans le poison. Genre, poison bad. Poison bad. Oh, good. Ah, il s'est raté, là. Il s'est raté. Ah, 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 il s'est raté. Bah voilà. C'est sympa, ça, en vrai, ce petit set. Genre là, il y a un petit pont. Boum, boum, boum. Ah, j'ai l'impression que tu peux faire tomber le pont, c'est ça? Wiggler, bam, bam, bam. Voilà, c'est terminado. Si je vais dans le poison, ça fait quoi? Oh, le bruit de fou. Étrange le bruit. Et du coup c'est trop stylé en fait, ça détecte la couleur qu'il y a juste en dessous genre. C'est vraiment exceptionnel. Rencontre de chompe dans la jungle. 160 pièces seulement. Oh là là, regardez là. Ok. Mec en plus c'était pas très long à faire. Sympa. Sympa de fou en vrai, non? Allez, le deuxième sachet, c'est le plus gros. Voilà, voilà. Oh, le chompe, le petit truc et le petit chompe qui bouge là. Je vous propose ça. Et je crois que ça c'est le dernier truc pour le thème de la jungle. Je préférais quand même la fleur piranha que j'ai fait juste avant, la plante piranha. Oh putain, faut en faire une deuxième là. Je sens. Oh, j'aime pas faire les choses en double. Oh non, chef. Ah putain, mais il y a tout qui tourne. Oh la dinguerie. Ok. Waouh. Regardez. Trop stylé en vrai. Des engrenages de partout. Sympa. Bon ben voilà, c'est terminé. Bon là, il y a le truc. Donc je suis chaud qu'on fasse ça pour terminer l'arc jungle. Voilà, grosso modo, c'est une petite forteresse. C'est le truc dans lequel tu rentres une fois que tu termines les niveaux dans Mario Bros. C'est quand même un 468 pièces là, ce qu'on attaque là. C'est un beau bébé. Terminer ce petit arc jungle, je vous propose une tradition en Lego. Un petit accéléré de la construction de ce fort de A à Z.
Et voilà. C'est le fort où ça fait genre... On est rentré assez profondément dans la jungle pour découvrir mon singe préféré, Donkey Kong. On commence avec une petite cabane avec l'ancien Cranky Kong, mais il y aura un total de 4 sets sur ce thème, dont un big roller coaster de plus de 1000 pièces. Ça annonce du lourd. On va monter DK. Alors là, je suis heureux. Ah, il y a la cravate. Avis sur la tête de DK. Ah, la cravate. Ah. Elle est rouge pétante, sa cravate, là. Attends, j'ai fait un Star Wars. Et voilà. Regardez-moi ce beau gosse, là, de Donkey Kong, là. En vrai, il est incroyable. Genre, là, le petit hamac. Ah, les petites bananes, la petite téloche. De dehors, c'est vraiment insane, avec les genres de palmiers par-dessus, là. Ah non, c'est trop bien. On va faire ça. Voilà, c'est juste ça, c'est assez rapide. Ça va, y a que ça, genre. Tu rides, et là tu défonces les boîtes et y a une banane. J'ai envie de le faire. Le concert de Dixie Kong. Donc voilà, il y a le perroquet, il y a Dixie Kong qui fait un petit concert, il y a une petite guitare. On fait ça et après on fera l'énorme set de Lego Donkey Kong qui sera assez terrifiant. Le perroquet il chante, il a le mic collé à la bouche. Ok, et Dixie Kong, juste ici. Et voilà, magnifique en vrai, non? Du coup, petite guitare, petit haut-parleur, des petites fleurs par-ci par-là, petite guirlande, palmier, avec des bananes, Dixie Kong. Et puis là, ça tourne. Voilà, voilà, c'est terminé. Je peux vous montrer le prochain set, ceci dit. C'est ça. C'est, mec, il rentre même pas à la taille. Mec, tout le truc ne rentre même pas, genre. Genre là, c'est vraiment le plus gros Lego qu'on a monté depuis le début, là. Oh là 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 là, mais mec, ça n'en finit jamais. Oh là là. Dès ma petite pioffe en pierre, grâce à cette pioffe en pierre, vous pourrez miner dans les petites mines et peut-être trouver du diamant. Mais avant de miner le diamant, eh ben, il faudrait qu'on ait une pioffe en fer, parce que sinon, eh ben, le diamant, eh ben, je vais casser le bloc et il va juste pas sortir de diamant. Et voilà. Ah putain, d'accord, c'est le shop, en effet. Ça, c'est les ballons de vie. Ça, c'est les ballons de... Merde, je sais plus ce que c'est, le ballon vert. Là, ça, c'est les vies. Et voilà. On a le petit Funky Kong, là. Mec, il a tellement un flow de fou. Ah, c'est marrant, regardez, là. En fait, il y a un ressort, là. On voit qu'il y a un ressort, là. Dans la fente. Mec, regarde. Il n'y a même pas la place. Oh non. Regarde. Oh non, c'est terrifiant, frère. Merde, l'avion, il se plug juste ici. Oh putain. Ouais, fait bélec quand même. Par contre, il est vraiment énorme. Je vais ramener ça vraiment petit bout par petit bout, je pense. On a terminé avec Donkey Kong. Et ils étaient tous exceptionnels, en vrai. Hein. Dites-moi lequel vous avez préféré, mais moi, je pense que j'ai surtout kiffé le roller coaster de fou. Maintenant, place au set nécessaire pour faire un bon monde 2 dans Mario Bros. C'est-à-dire un monde désert, quoi. Il y en a 3 et même un 4e set que j'ai oublié qu'on fera quasiment à la fin de la vidéo. Désert Poké. Commençons avec ça, voilà, là il y en a moins de 200, donc c'est genre un cinquième de ce qu'on a monté juste avant, donc je propose de faire ça. Allez, on se motive. Jure, c'est juste comme ça que ça tient, genre. Bon bah c'est terminé du coup. Je propose une suite sur ça. Piranha plante power slide. Allez, ça avance là, je suis content là. Ça avance vraiment bien là. Putain mec, Tema, comment je l'ai fait rapide le Koopa là. Ça y est là, je suis... Je n'ai jamais fait un Koopa aussi rapide. Et c'est terminé. De mon côté. Je vous propose le Condor. Alors attends, comment il s'appelle le truc là. Ouais, celui-ci, il est à... Pico Condor, il est très très court. Il y a seulement 3 sachets. Et voilà. Il est terminado, là, le Pico Condor, quasi. Bah, regardez, il est mignon, ce petit Pico Condor, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Paf, il a des lunettes de nerd et tout. Il a la petite coupe, là. Petite carapace. Et voici le résultat final. Voilà, voilà. Et vous pensez qu'il y avait que les figurines pour Luigi et Mario? Et non, parce qu'il y a aussi la figurine de Peach pour toutes les princesses. On va donc commencer par monter et tester sa figurine, puis monter son château, son jardin, bref, tous les sets en rapport avec Peach.
Peach, quand elle se rend compte que Bowser va la kidnapper une énième fois, qu'elle est en réalité heureuse parce qu'en fait elle déteste Mario. C'est tellement flippant quand c'est éteint, je comprends pas comment les designers ils ont pu se dire bah vas-y on va laisser ça comme ça. Genre, trop stylé, le bloc il vole genre. Trop stylé. Voilà, petit Toad. J'ai le niveau en entier, alors je sais pas comment je vais le trimballer, mais grosso modo là c'est le niveau qui a indiqué là sur l'iPad à peu près, quelque chose comme ça. Là pour l'instant c'est le plus grand set de Lego qu'on a fait depuis le début, alors on avait fait la même avec le Funky Kong. Mais là je vous propose tout simplement le château de Peach. Et ça va nous prendre toute l'après-midi je pense. Easy. Je crois que le château de Peach, quand on va le clear, ça va nous donner 4% de complétion en plus. Genre vraiment le truc est gigantesque. Voilà, on a fait Ludwig. C'est tellement un nerd. Veuillez envoyer ma baguette Douglas. Regardez les petites portes, c'est sympa là. Oh, regardez la petite horloge, trop incroyable. 40 heures, su, j'avais pas vu. Il y a même des détails à l'intérieur, genre c'est une dinguerie, regardez. Là, il y a la... Là, il y a la... Il y a ça, il y a une petite torche et tout. Non, c'est trop stylé. Ok... Ah, comme ça, c'est pas mal. Very nice. Et là, tu le mets là, genre. Ah, sympa. Donc là, j'ai fait l'aile gauche. Ensuite, il y a plus qu'à faire l'aile droite. Oh ! Oh, regardez ! Oh, c'est trop stylé ! Oh, bon Battlefield ! Le premier tableau du premier monde dans lequel on rentre. Regardez, c'est trop stylé. Non, vraiment, c'est trop exceptionnel. La ref me rend trop heureux. Oh là là, si, les petits remparts et tout, et même de l'intérieur. Je crois que ça va là, du coup, si j'ai bien compris. Ça, en gros, il y en a une qui va là. Regardez, boum. De l'intérieur, ça fait ça. Oh là là, ça a de la gueule, hein. Ok, et ensuite, ici. Pas mal, hein. Regardez, ça, c'est le sol. Genre, vous savez, le sol de quand on rentre dans le truc de Peach, tu te mets sur ce sol-là. Tu regardes le plafond et tu rentres dans le niveau, genre. Et dans Mario Odyssey, ça fait popper une lune. C'est magnifique. Regardez, ça, c'est l'intérieur du château. Des petits fruits, un petit gâteau, l'entrée, là, bam. Là, il y a le tableau Bonbon Battlefield, une petite torche, et voilà. Et là, ça a de la gueule de fou, déjà, en vrai. Allez... Ok, nice. Bah voilà, il est pas trop mal le Bowser, boum. Là, sa petite carapace, boum. Et voilà, terminado. Mec, c'est tellement archi stylé. Concrètement, ça fait un peu comme ça, quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Peach, voyage en ballon dans le jardin de Peach. Il y a elle, je sais plus comment elle s'appelle, c'est genre la meuf de Boom Boom. Il y a une montgolfière rose. Et derrière, concrètement, voilà. Ça va encore être un énième niveau qui va être chiant à déplacer. Regardez, il cook. Ok, je vous propose ça pour le 36e. En gros, si vous voulez, il y a le costume de Peach le chat, là. Donc c'est le premier costume qu'on va vraiment avoir. Et en même temps, il y a la tour gelée. Jure, on va faire le Goomba en chat, là. C'est stylé, ça. Ok, enlève ça. Enlève ça. Enlève cette robe, Peach. Enlève-moi cette robe. Miaou. Regardez. Oh, putain. Oh là là, elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne en chat. Ok, il reste le paquet 5, le paquet 6 et le paquet 7. Et le paquet A. Il est en vrai sympa. Genre voilà. Oula, j'ai peur que tout tombe. Là, il y a le Toad, là, il y a le Kamek qui tourne autour, là, il y a Tac. En gros, c'est la tour de Peach Chat en fait. Voilà. Il est à nouveau temps d'augmenter le compteur de Lego assez rapidement parce qu'on va tester tous les costumes power-up. Il y a des animations et des sons associés avec les figurines. Vous verrez, c'est assez incroyable. Donc là, c'est le costume Peach Chat. Donc du coup, c'est rose, c'est assorti pour Peach. Sauf que ce même costume existe aussi pour Mario. Power-up pack 4 Mario. Et alors, pour l'anecdote de base, ce truc était vendu sur le site de Lego à 10€, je crois, quelque chose comme ça. Sauf que le problème, c'est que le produit n'est plus disponible sur le site. Donc, je l'ai payé combien environ, vous pensez? 15€, 20€, 50€. Voilà, je l'ai payé 50€, ça. Il y a 13 pièces. Je l'ai payé 50€ parce que la pièce est devenue méga rare et que les mecs, ils font les revendre de fou. Donc voilà, écoutez. Voilà, concrètement, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la boîte. Il n'y a vraiment pas plus que ça. Alors, du coup, on met Mario là-dedans.
Voilà, on lui remet les petits boutons. Et là, apparemment, il y a son petit truc de... Miaou. Regardez, Peach Chat et Mario Chat, ils s'aiment. Ils s'aiment, ils font des bisous. Ils font des pièces. Bon, bref, du coup, voilà, c'était Mario Chat. Miaou. Mario Abeille qu'on croise évidemment dans Mario Galaxy seulement, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, regardez, il a un bal-trou assez... Oh, mais c'est censé être son dard, ça. Et ça, c'est censé être ses ailes. Waouh, elles sont incroyables, ses ailes. Oh oui! Oh, regardez, écoutez! C'est le power-up quand il vole. Et regardez, là, du coup, ça s'affiche là. Le power-up s'affiche juste ici. C'est trop stylé. Mario Hélice. Propeller Mario. Hop. L'hélice et Moon. Ah, oh, je suis une galère. Oh, je suis tellement une galère. Ok, donc je lui mets le power-up. Oh, c'est mignon, les petits sans défect, en vrai. Tanuki Mario. Voilà, pas grand-chose à dire. Il a une queue, il plane. On connaît ce power-up. Waouh, la petite feuille. Oh, Infamous Mario de feu était disponible dès le tout premier Mario Bros. Je crois que c'était le seul power-up d'ailleurs disponible dans Mario Bros 1, si je dis pas de bêtises. Voilà. Merci, je préfère. Là, il a la petite fille. Et là, il fait les bruits. Là, il farm, il envoie des boules de feu. Mario Pingouin, mec. Et ok, là, je le fais slide. Il est très mignon. Lui, je le trouve très beau. C'est l'un des plus beaux costumes, je trouve. Mario Grenouille, c'est à son tour. Qui la connaît, genre, ce power-up? Qui le connaît, frère? Mario Maker, Builder, Mario. C'est le dernier costume power-up pour Mario. Après, il y aura deux autres costumes qu'on va faire, mais vous verrez, c'est un peu plus chill. Il casse tout, mec. Il pète à chaque fois qu'il atterrit, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie d'avoir autant de gaz, par contre. Ok, donc on est exactement à 44 Lego. On est au 44e Lego. Il nous reste ce costume-là. Je considère ça comme un costume. Mais alors, en gros, si vous voulez, c'est chaussures de Goomba. Vraiment, juste, c'est pour y glisser Mario. Ah, ok, regardez. Donc, en gros, là, regardez, on peut avoir le truc comme ça. Soit, en gros, la chose, elle est comme ça. Soit, on peut la mettre carrément à plat. Ah oui, d'accord, ok. Très mignon, ce petit costume. Je considère ça comme un costume. Très mignon. Bowser Jr., en gros, c'est la voiture clown de Bowser Jr. qui est aussi dans Mario Maker, qu'on peut contrôler. On le fait malveillant. Genre, soit il est pas content, on le met comme ça, soit il est content. Dans le lore, là, dans la notice, il est content, mais on peut le faire malveillant. Moi, j'ai envie de le faire malveillant. Il est tout triste. On est en hiver et qui dit hiver dit zone de neige. Et d'ailleurs, pour m'aider pour les heures qui viennent, mon monteur Fast est venu m'aider parce qu'on est mine de rien au jour 5. Bien qu'on soit à 47,7 sur 69, c'est trompeur parce qu'il nous reste des gros sets. On est exactement à 13 193 pièces montées sur 29 471, donc à peu près 45% du nombre total de pièces. Va falloir s'activer sévèrement pour arriver au bout avant les 10 jours. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de faire le power-up Mario glacé. Mario, vous savez, dans Mario Galaxy, genre quand il a le power-up glacé, il y a celui-ci que Faz va faire en même temps. Il fait quand même un petit 500 pièces. Donc, du coup, c'est l'aventure neige de Morcinet avec un petit phoque, un petit glaçon, un petit bonhomme de neige. Donc voilà. Bon, mais voilà, moi j'ai terminé mon truc là. Voilà, c'est terminé. C'était juste un petit costume de Mario Glace. Bon, on peut le mettre à Mario Glace. Nous voici sur le big block pour l'interrogation. Ça fait très longtemps que je l'attendais. Vous verrez, c'est pas juste un bloc. En fait, il y a plein de références cachées à Super Mario 64. Ils ont refait 4 zones entières du jeu à l'intérieur. J'avais très hâte de le construire, mais j'allais découvrir un petit détail qui allait me rendre malheureux. Les gars, il est l'heure. On va entamer. On avait déjà fait la fleur piranha qu'on avait fait. C'était 1200 pièces. Eh bien, celui-là, il en compte 2064. J'ai nommé... Le bloc pour l'interrogation. Comme le Lego plan de piranha, c'est un Lego plus 18. En gros, quand tu frappes dans le bloc pour l'interrogation, il y a un dildo qui en sort. Et après, tu peux le mettre dans le cul de Bowser. Voilà. Est-ce que t'as la rêve du mec qui pleure, t'sais, dans la voiture, et là, il fait « No! I love that! » My heart! I love that!
Non, cette vidéo-là est vraiment très très bien. My heart. I loved her. Mec, il y a tellement de sachets. Who let him cook? Il y a beaucoup de sachets, il y en a beaucoup. On en a pour toute la journée. Apparemment, c'est sorti du coup pour les 25 ans de Mario 64. Ouh, regardez, il y a Bowser avec Mario qui lui tient la queue. Bon, alors c'est low details, mais c'est stylé. Genre, il y a une quantité de détails. Putain, je vais pas pouvoir avoir le modèle 3D. Non. Pourquoi pour les sets de Lego les plus durs, ils ont même pas fait une notice? Non, vraiment, ils ont cook. On est parti, hein. Allez. Pour l'instant, chez moi, ça ressemble à ça. Y a ça qui bouge. Sympa. Y a ça qui bouge. Mec, j'étais tellement heureux avec les costumes. J'étais tellement en gratification instantanée, mec. Ok, première partie. Je comprends pas, c'est pas la bonne hauteur, en fait. Genre, en fait, comment vous expliquer? Genre, regardez. En gros, regardez. Là, le Lego, ici, il dépasse, tu vois. Genre, il a une hauteur de trop, et ensuite, là, au fur et à mesure, il descend. Mais je sais pas si c'est fait exprès. J'en ai aucune idée, j'ai l'impression que c'est pas fait exprès du tout. Ah, je suis concentré, j'avance bien là. Niveau en particulier là. Ouais, je vous fais un point. Jure. Oui. Ok. Élastique. Number one, le rouge là, je sais pas si vous le voyez. Mec, c'était compliqué hein. C'est ceci hein, bien sûr. Un élastique. Deux élastiques. Oui, j'ai terminé ma façade. Oh là là, il est beau. Il est beau, bon. Allez, maintenant, plus que une, deux, trois fois. Et un au-dessus, avec des trucs, avec des worlds. Non. Regardez, on dirait un mini Condor Millennium. Vous l'avez vu? Cet homme a 23 ans. Je tiens à le rappeler. Et voilà. Et là, ça commence à être pas mal, hein. On a un semblant de point d'interrogation. Une deuxième façade. Alors peut-être la deuxième façade. Là, ça y est. On va tout donner là. On a l'avant du bateau, les gars. C'est bon. Le bateau est fait. Allez, on avance. Ah putain, regardez. Attends, mais je viens de comprendre seulement. En fait, là, ça c'est le pipe. Ça c'est le pipe quand tu débarques dans Mario 64. Genre, il y a la qui tue qui fait. Ah, mais putain, mais ça c'est la qui tue en fait. Ah putain, mais lui c'est la qui tue. Il est jaune, il est dans son. Il est dans son nuage et il a la caméra. Et en fait, il fait. Et là, il y a Mario qui sort. Wouah! Et après, il rentre dans le château. Putain! Ok, j'ai la ref que 3 ans plus tard, c'est pas grave. Ok, donc là, regardez, c'est les tableaux. Bon, ils sont très petits, hein, c'est littéralement une case. Donc ça, c'est CCM, Cool Cool Mountains. Ah, là, on voit nickel. CCM, Cool Cool Mountains. Voilà, l'état de Lava Land. Stylé. Okay. Et ensuite, un autre truc qu'on n'a pas encore monté, c'est Bobo Battlefield, mais il y sera aussi. Tous les tableaux en fait, qu'il y a là dans le château de Peach, ils y sont carrément dans le truc, en fait. Voilà. Let's go. Ok, donc Mario, Giga Shad. Les dit pour les caméras de l'Akitu, juste ici. Voilà, Mario, Giga Shad, qui fait littéralement 3 briques. Et Peach. Ok, Peach, c'est une brique de plus que Mario. Juste parce qu'elle a les cheveux longs. Regardez, ça, c'est le vitrail de Peach, du coup. Focus. Ok, nickel. Pas mal. Et voilà, mignon ce petit château. Ce petit château 64 avec Yoshi en plus sur le. Voilà. Boum boum. Les détails, tu les vois même plus. Genre les détails des tableaux et tout, genre tu les vois même plus parce que là ça s'ouvre pas. Genre tu sais, c'est juste pour le plaisir pendant que t'es en train de monter. Genre parce que là, regardez. Jamais de la vie, il y a même pas un mécanisme qui fait que le truc s'ouvre en fait. Jure le chomp. Jure le chomp. Wow, wow. Le chomp. Regardez, ça c'est la tête du Golden Moustache en fait. Et regardez, c'est mignon là. Boom Battlefield, mec, il y a v'là les détails. Là, ici il y a le canon, paf, tu rentres. Ici, là il y a le chomp, il y a une étoile, là j'ai ici au niveau du chomp. Là, paf, il y a le canon. Il y a juste pas l'île qui est flottante. Là, il y a l'arbre ici. Là, du coup, il y a le roi Bobombe. Là, normalement, il y a des mini-arbres aussi. Là, il y a des grillages, en effet. Là, il y a une boule où tu tombes. Genre, vraiment, la quantité de mini-détails est assez insane, genre. Genre, à quel point c'est reconnaissable alors que c'est juste low quality, low poly details. Genre, vraiment, c'est assez insane.
Genre avec le chomp et tout, vraiment je reconnais quoi. C'est fort. Genre là, ces troncs d'arbres là même, d'ailleurs, en fait, dans le jeu, si tu tournes autour, ça drop des pièces. Tu tournes autour une ou deux fois, je crois. C'est tellement une belle bête. Regardez, là, il y a les canons avec les trappes. Ok, là, il y a le devant, il y a les hélices qui tournent. Il y a Bowser. Les hélices tournent vraiment. Il y a des trucs comme ça. Ok, et les canons avec les trappes, trop stylé. Là, c'est des petites lanternes. Pose-le. Attends, je regarde derrière. Regarde derrière, là. Avec les petites lanternes et tout. Non, c'est vraiment ambiance Black Pearl et tout, genre. Ouais. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus de sécurité, si tu tournes gentiment dessus, wow, là, tu peux jouer dedans. Il s'étend, le bail. Ça, les gars, regardez. C'est ça que je dois faire. C'est ça, exactement. Ça va, c'est la D un peu lave. Oh, putain, non. Mais mec, c'est quoi l'étape 352? Regardez-moi ça. Alors, tu as ce truc-là, 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 boum, ça donne ça. À toi de te débrouiller, ça ne ressemble en rien à ça, mais c'est à toi de te débrouiller. Ça, j'ai la ref, c'est la petite boule de neige. En gros, genre, tu dois ramener une boule de neige de tout en haut de la montagne, tu dois la ramener juste ici, et après, ça fait un bonhomme de neige juste ici. Oh putain, si, ok, là, je reconnais de zinzin. Là, c'est la sortie de la course. Contre le pingouin. Là, il y a même un téléporteur juste ici. Il y a une pièce rouge là. Je sais pas si vous voyez. Genre, c'est un endroit où il y a un pont. T'es un peu dans le vide. Ça, c'est la quête du pingouin. Où en gros, il y a le bébé pingouin tout en haut. Et en gros, tu le ramènes tout en bas là, Daron, juste ici. Ouais. Bien. Hop. Genre du bug. Hop. Ça se passe. Hop. Ah oh, ouais, ça se stack comme ça. Ça s'emboîte en fait. Et là, ça, on le met à l'intérieur. Oh, ça passe tellement bien. Et là, la prochaine étape, c'est il faut que je pousse comme ça. Là, tu le ranges comme ça. Hop, et là, ça se referme. Oh là 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 là. Et là, du coup, le truc est plein. Et là, il y a le world que j'ai fait en entier. Et voilà, j'ai fait une façade. Il manque plus qu'à en faire une dernière et la vie est belle. Voilà, terminado. Une face, deux faces, trois faces. 4 faces pour l'interrogation. Et là, tu peux... Bam. Et là, t'as 1, 2, 3, 4 royaumes. Et en bas, là, t'as une petite trappe où t'as bébé Bowser, normalement, mais je sais pas où il est parti. Voilà, voilà. Comme on approche de la fin, c'est l'heure de faire tous les sets qui comportent de la lave pour faire El Famoso Monde 8 dans les Mario Bros. Donc, concrètement, c'est juste ça. C'est juste qu'il y a un womp, il y a un peu de feu, et il y a un peu de boue, et fin. Voilà, moi, c'est terminé, la team. Alors, attendez... En gros, petite carapace, machin. Mario, il peut aller là, il fait... Donc là, regardez, il y a les trucs ici qui touchent quasiment les rails. Et quand on bouge... Hop là, ça le fait tomber petit à petit. Et il tombe sur la gueule. En vrai, c'est grave bien fait. Ça, concrètement, c'est la troisième boîte dans l'ambiance un peu lave. Et ça, c'est l'un des deux sets de Lego qui est un petit peu dans les nuages. C'est l'Akitu Sky World, donc c'est carrément dans les nuages. Il y a un petit Akitu et tout comme ça, voilà. Donc je me dis, vu que c'est dans les nuages, c'est un peu de l'endgame et tout. Ça va être un genre de petit wagon avec des têtes de mort sur la lave, un peu comme ce que c'était pour la Tour des Troncs. On va tester. Mais concrètement, là, j'ai fini là mon manège de lave. Ah, c'est pas mal en ouais, vrai. C'est gaulerie en vrai. Ah, et du coup, en fait, ça enlève les boules de feu. C'est fait exprès. Il s'est fait mal. Voilà. Bon, moi, c'est terminé du coup pour ce truc-là. Il était pas très grand. Bowser's Castle Boss Battle. Donc, le combat de boss de Bowser. Château de Bowser. Alors, je sais que j'avais dit Bowser Squelette, mais je pense que je vais commencer par lui. Lui, il fait 1000. Tirer sur Oh là là, la belle carapace de face. Mais je crois qu'on l'avait déjà monté un Bowser comme ça en plus. Et voilà, le château est terminé. Il a un flot de zinzin. Alors je peux pas trop le transporter. Concrètement, là il y a la tête de Bowser. Là il y a Bowser au milieu. Et la Rex, pot de boue, un petit bout. Il y a des petites tours, une muraille, des coulées de lave. Voilà, voilà, c'était le château de Bowser, le premier. Il y en aura un deuxième. Ah! Ok, tout va bien. Lego numéro 56. Fuzzy et la plateforme champignon.
Donc c'est assez petit. Enfin, ça fait seulement 39 pièces. Bon, voilà. C'était le fuzzy et la plateforme champignon. J'espère que vous kiffez. Ça, c'est un petit champignon. Ça, c'est un petit fuzzy, un petit corail. Je sais pas trop où le mettre, mais il est tout mignon, voilà. On va se régaler avec une petite zone composée entièrement de sets de Lego dans les nuages. Regardez, là, ça s'appelle Big Spike Cloud Top Challenge. Donc, c'est-à-dire que c'est au-dessus des nuages. Donc, avant, on avait fait l'Akitu. Là, on fait Big Spike. Et donc, là, voilà, on fait juste deux sets. Et ensuite, on commencera la NES, ok? Il a des sacrées babines. Comment il fait pour grab? Mais il grab rien du tout, là. Ah, juste, c'est posé. Ah. Ah, d'accord, ok. Et donc là, regardez. Paf, paf. Ah, c'est drôle, c'est malin. Et voilà, les petits nuages, juste ici. Bam, 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 là, ça monte. Il y a une petite pousse, ici il y a une petite pousse aussi, paf, il y a une petite étoile. On va terminer l'arc des nuages avec Fuzzy Flippers. Ok, c'est terminé, c'était le dernier truc ambiance nuage. C'est l'heure de la Nintendo Entertainment System. Pour les très jeunes qui regardent la vidéo, c'est une ancienne console de Nintendo sur laquelle est sorti genre le premier jeu Mario et aussi le premier jeu Zelda. Bref, c'est elle qui a posé les classiques. Il y a une première phase où on monte ça et une deuxième phase où on monte une télé qui recrée un niveau totalement interactif de Mario Bros. La technologie est insane, vous verrez. Nintendo Entertainment System, c'est carrément une NES en entier, c'est une console. Mais en Lego, il y a la télé, il y a une manette, il y a la console, il y a une cartouche, il y a les fils. Et apparemment, c'est un petit peu fonctionnel. Et ensuite, il y a ça. Il y a un paquet 16. 21. Oh là 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 là. Mais putain. Ici. Ouh, allez, on est parti. Même les paquets, ils sont huge. Genre, t'es pas la grandeur du paquet? Allez, la NES. D'abord la console, ensuite on fera la télé. Pour l'instant, ça va. C'est des très grosses pièces, donc ça va. Oh oui, regardez, on met les petits boutons, là. Regardez, là, je viens de mettre reset. Voilà, power. Reset. Ça commence, hein. Ça commence à avoir de la gueule. Là, là. Ça, ce petit truc-là, là. Le petit L. J'étais persuadé d'avoir déjà mis ce truc-là. Oh non, mais mec, j'ai envie d'avancer, là. Ok, bon, regardez, j'ai mis ça en gris clair, en substitut. Bon, c'est pas grave. Ouais, mec, on est seulement au paquet 5. Et ça fait 3 heures qu'on a commencé. Oh là 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 là. Ok, c'est difficile mentalement, là. Ah, putain, oui, c'est un mini-jeu Mario, là. Ah, putain, mais attendez, j'ai la ref. J'ai même la ref de fou. Attendez. Regardez, en fait, ça, en gros, là, c'est le niveau 1-2 dans Mario Bros. T'es en souterrain, paf, il y a des plateformes qui montent et qui descendent, tac. Tu grimpes, et ici, il y a la warp zone pour aller au monde 4, 5, 6, je crois, c'est ça? Très stylé, très mignon, c'est le niveau 1-2. Ah, d'accord, et donc là, on le fait recouvrir le niveau. Merde, et du coup, ça, ce qu'on a construit, théoriquement, ça sert à rien. Enfin, c'est juste pour le fun, quoi. Et voilà, ça commence à avoir de la gueule. Alors là, il y a juste ça à recouvrir, mais... C'est presque la NES, là. Hop, on le slide, et on l'accroche comme ça. Voilà, voilà. Et là, il y a écrit la NES, en fait. Il y a juste écrit la NES, en fait. Attends, c'est même pas fini. Oh putain, et ok, là faut qu'on fasse la cartouche. Sympa, ok. Et donc maintenant, l'autocollant. Oh, c'est tellement beau. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop mignon. Mec, j'ai jamais eu de cartouche comme ça de ma vie. Et pourtant, je trouve ça tellement mignon. Ah, comme ça. Ah, ouais, d'accord. Et là, tu refermes. Ah, trop stylé. Ah ouais, d'accord, sympa. Ok, bah très mignon en tout cas. Oh le buis! Les gars, c'est à 0, je sais pas si vous l'entendez. Fin du défi! Putain, on arrive à 58. Je rappelle, le défi n'est pas terminé, ça fait bel et bien 7 jours, donc j'ai raté mon défi de le faire en 7 jours, mais j'ai quand même envie de montrer tous les Lego parce qu'il reste quand même genre le Bowser, il en reste une petite dizaine, hein, j'en ai 58 là. On va mettre un compte qui va aller vers le haut et on va voir en combien de temps supplémentaire de 7 jours je vais réussir à faire le défi. 2 mois passés à accumuler tous les Lego, 80 heures passées à les monter jusque là. Des invités qui sont venus et tout. Carapace. Oh, c'est trop stylé. Aucun petit niveau de Mario, là. Oh là là. Comment c'est trop mignon, hein. Ça commence à avoir de la gueule, là. Oh là. Ok. Ah, putain, d'accord. Ok, donc là,
dans la partie orange, paf. Comme ça, ok. Wow, ok, comme ça. Ah mais alors, Ah oui, oh là 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 là. Oh, ça va être exceptionnel. Je le mets au pif le plus total, là. Bah ça m'a l'air nickel, ça. Oh là 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 là. Ok, 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 let me cook, let me cook. Juste après ça, je ferai un paquet qui s'appelle Invente ton aventure. Donc du coup, c'est tu inventes ton aventure. C'est mignon, frère. Waouh. Bon, c'est terminé. Regardez, on a une belle télé. Waouh, elle est belle en vrai. Et donc du coup, on tourne. Ah hop, Mario il saute par-dessus. Oh mec, c'est trop incroyable. Passe par-dessus. Mais comment ça fonctionne ce truc? Tu retires le chapeau de la télé, tu peux y mettre Mario et les sons sont en lien avec ce qui se passe. Ah ouais? Exceptionnel au niveau de la tech. Et genre là, regardez. Non mais mec, on y croit tellement. Genre là, tes magies jouent là. Ah, c'est vraiment trop stylé. Ça, c'était le Lego le plus cher de la collection. Je l'ai payé 260. C'est Topitop. Topitop et Super Champignon. Et voilà. Là, il y a la petite taupe. Là, il y a ça. Je sais même pas ce que c'est, frère. Ah. Ok, bon, on vient de le terminer. 60 euros, ça. Voilà, je tiens à le rappeler. 60. Là, on va monter des sets créatifs où on est assez libre. Et on peut faire plusieurs exemples de parcours. Mais on a quand même des trucs à monter selon une notice. On n'est jamais vraiment libre hein, dans notre société. De toute façon, vous le savez. Hein. Set de créateur invente ton aventure. Oh merde, je vais pas être... Oh non, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Oh non, putain, il y a quand même une notice. Mais pourquoi ça s'appelle Invente ton aventure alors? Oh, j'ai trop la flemme d'assembler une... Oh mais mec, j'en peux plus là. Les niveaux comme ça, genre, ça m'a gavé là. On en est bientôt à 8 jours là. On en est bientôt à 8 jours. C'est ça le problème. Alors bah, on va monter le strict minimum de ce qu'il nous demande et après le reste, on va rien faire. Hein. Genre les exemples de parcours, je pense que je vais vraiment juste faire le mien quoi. Voilà, c'est fini. Alors, me demandez pas pourquoi on fait une plaine à la fin du jeu, hein, j'ai oublié de monter ça plus tôt. Normalement, c'est censé être le monde 1, je sais, voilà. Bon, Super Mushroom Surprise, c'est quoi? C'est un champignon, fin du concept. Il y en a vraiment 18. Tac, on l'assemble. Et voilà, on l'a speedrun. 63ème. Plus que 6 Lego, ouais. Bah après, on s'est bien gardé Bowser pour la fin, quoi. Donc ça va prendre son temps, mais bon. Boum, première maison. Et voilà, tac. Wouhou, la deuxième maison. En vrai, celle-là, elle est mimi avec les petites lanternes. Et voilà. Les petites maisons de Toad. C'est terminado. On est à 64. On a fait un stack. Next one. Beau gosse. Beau gosse, malveillant. Bilbourin terminé. 65. Barrage de Bilbourin. Ok, on attaque la toute dernière phase avant de monter l'énorme Bowser géant avec 2807 pièces que je me garde à la fin comme boss final. Pour s'échauffer, on monte les boss qui nous restent. Next, ça sera Reznor Knockdown. Wow, vous avez vu? Ok. Wow, ok. Regardez, ça fait un moulin, genre. Il est... Et voilà, et là en gros, paf. Et tu tournes comme ça. Next up is... Alors, Fast avait déjà monté une forteresse volante, seulement là, c'en est deux différentes. En gros, il y en a deux carrément. Il y en a deux petits, avec la tête de Morton et la tête de Larry. Il est très stylé, lui. Et du coup, voilà, on va les monter. Ensuite, il y aura le château et Bowser. Le sub-center va être chaud, ouais. Le sub-center... risque d'être compliqué. Bon, lui, frère, ça fait déjà 3 fois que je le monte, on n'en peut plus, frérot, les Koopalings. Je jette l'encre. Merde, je voyais rien. Bon, du coup, voilà, le système, je vous explique. On tire, tac, boum, il y a l'encre. Et là, pour la retirer, pour la faire revenir, on tourne comme ça. Boum. Voilà, très mignon. Et voilà, il est pas mal, ce bateau-là, il commence à être pas trop mal. Il y a une petite carapace et tout, c'est mignon. Donc ça, c'est
speed Morton avec les petits canons, le mât qui part avec la carapace, bim bam boum, paf. Un peu plus grand qui s'ouvre, Larry, un peu plus petit. La tête de Golemon, frérot. Est-ce que tu peux pas faire, est-ce que tu peux me faire qu'on veut voir Gdemat? J'ai oublié de le faire ce week-end. Du coup, c'est Bowser Skelet Dry Bowser Castle Battle. Il est exceptionnel en vrai. Il y a même genre... Oh putain, il y a ça dans Mario Galaxy, les trucs qui sortent du truc. Il y a les fleurs piranha squelette, le Toad comme ça emprisonné. Genre vraiment, lui, il a l'air exceptionnel. Il y en a beaucoup des paquets, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Dinguerie cette pièce là. Oh putain, faut que j'en fasse un deuxième. Ah, c'est mignon ça, hein, mais... Ok, bon, vas-y, faut que j'en fasse un deuxième. Ok, on a terminé le deuxième truc comme ça du château, avec la deuxième coulée de lave. Oh, il reste tant à faire, il reste tellement de trucs à faire. C'est les trucs qui sortent de la lave dans Mario Galaxy, Mario 3D World et compagnie. Regardez, non mais attends, mais Bowser squelette pousse à la salle. Chef, il fait du développé couché, genre. Jure la petite loupe de Nurge. Mais mec, c'est tellement, regardez la quantité de détails juste sur un tout petit truc, genre. Il y a un mini château, il y a une petite forteresse volante, petite loupe pour genre regarder les plans du château, genre c'est trop mignon, genre. Oh putain, et regardez, ça se referme super bien, quoi. D'accord. Incroyable cette pièce, elle est pleine de rêves quoi. Oh regardez, c'est le bas de la mâchoire de Bowser. Non mais mec, ça va être exceptionnel par contre là. Oh. Oh. Ah putain, mais j'avais même pas réalisé que je faisais la tête de Bowser. Oh regardez. Ok, sympa, très sympa. Là ça fait vraiment château là. Hein. Attends mais Bowser il fait du développé couché, ça me fume de rire. Hein. Ah mais là frérot, faut tourner là. Oh putain. Tellement grand comme structure, senteur. OMG, ça a dépassé carrément. Merde, ça a dépassé carrément. Senteur, les BG. Wow, what the fuck. Et on est... Et juste au moment où on est en train de faire les senteurs, je suis en train de finaliser le... l'avant-dernier. Waouh. Alors, je sais pas si ça se voit très très bien à la cam, parce qu'en fait, il y a que ça qui prend le focus. Mais c'est colossal. Genre comme ça, là. Ah ouais, pas mal, hein. Pas mal, hein. C'est l'heure, jour 10 et 4 heures. Et j'ai exactement 20 heures pour monter Bowser avant que ça soit la fin du jour 10, et donc du défi. Je vais le faire en one shot, sans dormir, alors qu'il y a certainement les mécanismes les plus difficiles à construire de tout le challenge. C'est le rush final, souhaitez-moi bonne chance. Il va péter mon bureau, frérot. Il va casser mon bureau. Voilà le Bowser géant, il est grand, il est beau, il est... 2800, 7 pièces, plus 18. Il va montrer son zizi, je l'espère, son zizi bien piquant. Putain, en tout cas, il est chocbar de baiser, il est très très beau. Le boss final, il est là. Mighty Bowser, le Bowser tout puissant. Il fait 30 cm de hauteur, 30 cm de large. Et du coup, c'est la plus grande, c'est le plus grand set de Lego de tout ce qu'on a monté depuis le début. 21. Ok, qui dit mieux, 8, ok. Oh putain, il est énorme sa grand-mère. 22. Chef. Ah, ça on garde. Ouh, et B, on a du travail. En fait, j'arrive pas à voir si... Ouais, mais putain, mais là, c'est chiant. En gros, si vous voulez, ces trucs-là, on peut les monter pour que les trucs ils soient en haut ou en bas, vous voyez ce que je veux dire? Le truc de con, j'arrive pas à voir quelle hauteur c'est, en fait. Nice. Bon, ben voilà, on a les deux torches. Ah putain, mais ouais, mais du coup, on les voit même pas. Désolé, je parle pas trop, je suis un peu focus. Ok, c'est un peu mieux, je pense. Ok, je préfère prendre doublement plus de temps sur ce genre de choses, et plutôt que de redémonter totalement le truc à l'avenir. Regardez, en gros, là, au milieu, là, cette pièce-là, là, à droite, il y a un truc noir. Et normalement, sur la notice, à gauche aussi, il y a un truc noir. Et là, il y a rien. Non, je l'ai pas perdu, c'est juste que j'ai oublié de la mettre, quoi. Ah putain, ok, on l'utilise. Nickel, ok. Ouh. J'ai l'impression d'être chirurgien, frère. Quasiment sûr que c'est comme ça, en fait.
Ouais, ok, c'est comme ça, nickel. Ok, c'est le contour de la carapace de Bowser, d'accord. Oh. Oh. Ça commence à avoir de la gueule, là. Non. C'est bon, il a un beau torse. Ok, ensuite. Tac. Et là, c'est sa grosse queue ou pas, là? Allez, fais clic. Oh, putain. J'ai directement la vue sur le... J'ai la vue sur la merde, là, mais je ne... En gros, en fait, si vous voulez, il y a un trou, là. Un peu profond, et dans ce trou-là, en fait, il y a deux... C'est ici que je dois clipser les deux boules. Les deux boules qui sont là. Je vais les clipser là, à l'intérieur. Oh, putain, oui. Oh, oui. Oh, sa queue de merde, là. Regardez-moi ça, là. Putain. Sa grosse queue, là. Putain. Jure, on fait son panard, là. White Sniffa. Nickel. Et voilà, et là, on a un panard, quasiment. Regardez-moi ce genou, là. White Sniffa. C'est bon, je revis, là. Allez. 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 Je sais pas si c'est bien mis, là. Vous pensez que c'est bien mis, là, cette jambe? C'est trop bizarre, mec, il tient même pas debout. Ah, putain, oui, si, ok. OMG. Mec, il... Bros walking. Ah, comme ça, ok. Il fait trop peur, Bowser, frérot. Ah, voilà, il commence à avoir un petit flow, là. Hop là, la grosse mâchoire de Bowser, là. Hop là. Ok, il a son collier, maléfique, voilà. Allez. En vrai, ça tient nickel. En vrai de vrai, bon... Oh putain, il est long ce Bowser, il est tellement lent. Surtout quand tu perds des pièces, quoi. Dites-vous, je suis page 287 sur 348. Ok, bon, il y a ça, mais je sais pas pourquoi ça dépasse comme ça, en fait. C'est... Mais par contre, c'est ce qui est prévu, quoi. Sympa. Sympa, très très sympa pour l'instant, la carapace. Clax. Et voilà, W drip sa carapace, non? Ok, oh putain, sachet 20. Oh lolololololol, plus que 3 sachets là, hein, les gars. Là, il est très très RF. La gueule qu'il a, frère. On dirait qu'il va venir mêler, il va venir mêler, prendre ton goûter. Allez, paquet 21. Dernier paquet de tout le challenge. Mec, il manque... Il y a tellement rien. Voilà, il a sa petite main, Bowser. Première main. Il a des doigts, c'est des knackis, frérot. Oh putain, c'est ça, les gars. C'est la boule de feu, le... La dernière pièce. Deuxième main. Les deux mains sont mises. Il est là. C'est comment qu'on recharge, maintenant? Plus qu'à ouvrir la bouche, comme ça. Non, attends, c'est comment? Ah, c'est là. Oui! Ah putain, attendez. On met là au fond, là, bien au fond. Et ensuite, comment on fait pour cracher? Attendez, j'ai envie qu'on crache pour le time. Apparemment, faut juste tourner la tête comme ça. La boule de feu s'est envoyée! Oh! Oh! Oh putain! Oh! Oh! 69 Lego sur 60 putain de 9 en. 112 heures, 9 minutes, 33 secondes et aussi 9 jours, 16 heures, 20 minutes et 50 secondes IRL, c'est-à-dire en vrai temps passé écoulé. Donc tout juste moins de 10 jours. De base, on voulait faire 7 jours, c'était long. Au final, Bowser, on a mis genre 12 heures quoi. 12 heures d'affilée, on l'a fait Bowser. Oh putain, regardez-moi le Bowser. Non, il est beau, non franchement. Bowser validé, pourcentage 100%. Ouais. Alors...
alors attendez, et ça je valide du coup. Écoutez, merci infiniment d'avoir regardé, merci à tous ceux qui ont été là durant tout le défi, que ce soit genre qui soient juste passés à un moment ou qui sont restés pendant tout du long. C'est vraiment fou. D'ailleurs YouTube, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Je pense à 40 000 likes, je refais le même défi, mais sur Minecraft, peut-être. Ok, là je me suis peut-être engagé sur un truc de fou là. Là je vais peut-être péter un plomb là. Je sais pas. Voilà, écoutez, merci infiniment d'avoir suivi. C'est grâce à votre soutien que j'ai pu acheter tous ces Lego, faire ce défi. Merci d'avoir regardé. C'était Julgan. Attends, on a 17 heures de live. On a officiellement monté tous les Lego Mario sortis à ce jour. Et si vous vous demandiez à quoi ressemble le résultat final, eh bien, ça ressemble à ça. Bon, avec ce défi, je veux plus jamais entendre parler de Lego, hein, s'il vous plaît. Et merde.